Eh bien salut à tous, c'est Zolérax et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Pokémon Fire Red Omega. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 22 si je me trompe pas, ou 23. Bon, je sais jamais le numéro d'épisode, je le sais, désolé. Donc on s'est arrêté justement la route victoire et on va se la taper. Oh yeah. Victory Road, ok. Donc là il y a un caillou. Alors, normalement si c'est comme dans les jeux de base, on va faire I like Border. J'ai appris force à Tortank en plus. Ah. Ouais. Voilà. Des petites baisses d'FPS, je sais pas pourquoi. Mais bon. Y'a rien de grave. Ok. Donc ça. C'est bon. Hop. Parfait, mon coco. Rappel. Ok. On va essayer d'esquiver. Là-bas, il y a des objets. Lequel choisir? Pantua de gauche. Bonbon rare. Right, candy. Perfecto. Ouf, esquiver. Donc là, il y a une sortie. Et là, il y a un combat. Donc, je sais. Donc là c'est pas là, normalement il y a un gros chez ici. Yes, it's a big rush, eh. Donc on arrive vers la fin du let's play et il y aura un nouveau let's play bien sûr. Moi après quand j'aurai fini quelques let's play en coop et en duo avec Kaisul et bien sûr mon Sovereign of the Sky. Qui va bien avancer. Ah, combat. Ok, come on. Bien que mon Pokémon est endormi. Ah oui, c'est vrai, j'ai voulu XP un peu mon Pokémon. Et voilà. J'aurais dû peut-être soigner mes Pokémon avant. Mais bon, pas grave. On va pas me poser de problème, je pense. Match punch, heureusement que je suis pas resté. Cookie, t'es sérieux lui? Change term, rise. Allez. Il va pas avoir énormément de combats dans cette route. Parce que tout simplement parce que cette route c'est vraiment l'une des plus faciles du jeu. Des jeux Pokémon. Et sérieusement, hein, c'est vraiment l'une des plus faciles. Hein. D'accord, je suis blessé par le sable et lui aussi. Normalement il est one shot. Hein. Je dis bien normalement, hein. Jamais. Donc j'ai en profité pour vous parler d'un projet. Bref, on va essayer d'organiser un petit peu tournoi de Pokémon qui se déroulera comme le tournoi de Mario Kart Wii, sauf que vous serez obligé de vous inscrire avec un compte Skype, sinon pour nous arranger, pour faire les combats, pour mettre la braquette à jour et tout ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Attendez, moi j'ai juste baissé un peu le son du émulateur parce que il est juste énormément fort. Voilà. Pour moi, il était juste trop fort. J'entendais même pas ce que je disais. Bon, c'est normal, mais bon. Voilà, je préfère parler avec moins de son. Hein. Ok, il fait ça. Ok, ok, il manque. Il augmente sa spéciale à la défense, sa spéciale à l'attaque. Ah, j'ai laissé la souris dessus, désolé. Ok. Fly! Normalement, il one shot, c'est parfait. C'est parfait mon kiki. Max Chopper, il n'y a que des points de combat et ça m'arrange. Ma cogneur, ah, pas Max Chopper. Désolé, mauvaise traduction. Désolé si je dis pas les noms français des Pokémon tout ça parce que j'ai pris l'habitude des Pokémon anglais. Tout simplement.
Des fois, je me rappelle plus des noms français des attaques. Alors que je me souviens très bien des noms anglais. C'est la petite de Pokémon Shadow, Pokémon Online et tous les acromes qui sont. Bon, les acromes. Parce que sinon, on va m'engueuler si je dis acromes, bien sûr. Alors, vol. One shot et les one shot, c'est parfait. De toute façon, je pense pas qu'il y aura d'autres combats. Je me rappelle bien cette route, pas très bien sommet de combat. On va aller changer de Pokémon au cas où. Notre annonce. Eh oui, notre beau annonce. Ah mince. Oui, j'aurais pu ne pas le combattre. Mais bon. Il veut combattre, hein. C'est pas grave. Ah, 4 Pokémon quand même. Mister Mime! Mister Mime! Mister Mime! On va en profiter pour se booster. Parce que lui aussi va le faire pareil, je suis sûr. Notamment sadique dans ce jeu. Bah, t'en passes. Comme ça. Bah, Ice Punch. Boum. Ah, d'accord. C'est un petit coquin, hein. Ah, c'est un petit coquin, il a copié mes stats. Hein. Bon, ça, il me fait pas très mal. Je crois que je vais me booster encore un peu. Comme ça, je vais pouvoir faire très très mal à tous les Pokémon. J'espère qu'il a pas hypnose. Bon, il a mini tête, ça. Ça va, c'est parfait. Alors, je continue. En espérant ne pas avoir trop mal à la prochaine attaque. D'accord. Il veut jouer à ça. Swagger, ça rend confus et ça augmente de x2 mon attaque. Alors ça me sert strictement à rien. Donc voilà, je vais être blessé pour rien. En plus, j'aurai pire que mal parce que j'ai ma spéciale attaque qui pousse à la mort. Et en plus, ce bâtard, regarde, il copie ses stats. J'espère que là, je vais pas être confus. C'est parfait. C'est parfait mon Goku. Par contre là si je suis plus confus, son équipe est morte complètement. Faut dire ce qu'il y en est. Mais c'est mime. Change pas. Hein. Allez, sois pas confus mon Goku. Allez, Anouar. Ah non, Anonor. Faut pas me faire ça. D'accord, on va le soigner. J'ai pas envie de le perdre. Hein. Bon, le perdre pour son combat parce que bon, il est boosté à mort là. Et on sent qu'on va gagner avec lui. Ah, il est chiant ce. Il est chiant ce drain. Il copie tout. Hein. Mes stats. Il peut pas copier ma confusion aussi. Allez, à nos mères. Ok. Ah, enfin! Voilà, normalement il est mort et. Y'a rien à dire. Voilà, il est mort, il est boosté à mort mon Pokémon. Je crois qu'il a 3 de spécial attaque et 2 de boosté attaque. Donc voilà. C'est cool. Hein. Allez. Ça, c'est parfait mon coco. Un Kanabra, un petit point de glace et ça devrait suffire pour nous. Je pense pas qu'il doit être plus rapide. Ouais, voilà, la garde voir est beaucoup plus rapide. Tant qu'il est sur la forme de Kadabra et quand il est la forme de la Kazam, c'est la Kazam le plus rapide. Niveau 62. Oh bah, ça va. Il était pas trop chiant. Donc, il a été un peu chiant. Il a pas été trop chiant. Quoi. Donc, là, il va y avoir un truc à faire après. Quand même, on peut esquiver. Est-ce qu'on est obligé d'aller là? On n'est pas obligé d'aller là. Il y a une Pokéball, je vais la prendre quand même. Une guérison, je crois, c'est. Ok. Hop, comme ça on n'a pas de Pokémon sauvage, on ne fait pas chier. Donc là, normalement, on va juste faire force.
1, 2, et on le bouge là-bas. Allez. Ouf, 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 ouch, 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 ouch. Quel est parmi un Pokémon qui pousse le caillou à notre place, sérieux. Franchement, ça fait bizarre. On dirait que c'est nous qui pose le caillou. On va prendre l'objet. Il se trouve juste là, tout en bas. Overheat. Ouh, surchauffe. Pas mal. Donc là, il y a un dresseur. Le dresseur, on peut le passer. Un guard spec. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du caillou? Chose à faire, mais un peu plus du tout quoi. C'est qu'il faut faire tomber un caillou ici. Bah, j'ai des petits lags, je suis désolé, mais bon. C'est pas vraiment très dérangeant quand même. Où est-ce qu'il y a des cailloux qu'il faut tomber d'emblée? Bah, être là, je crois normalement. Esquive! Ninja! Oh, il est là, ok. On peut esquiver les deux. Voilà. Ouais, on peut pas passer. Faut faire force ici. On revient là. Bon, on va revenir en bas. Là, il y a un caillou normalement. Parfait. Ouais, je suis fort, bien sûr. Hein. Tout droit, non. Hop. Donc là, vous avez vu, on aurait pu esquiver le combat. On va pas faire ça non plus. Ah, celui-là, par contre, on est obligé de le faire. On n'est pas obligé. Oh, ok. C'est parfait, hein. On est sorti de la grande victoire pour arriver, attention. Attention, attention, mais je rappelle, 9 plus fait, plus effet. Et nous voilà donc au Tato Indigo. La célèbre ligue Pokémon. Le conseil des cas nous attend, mec. Nous attend les bras ouverts. Prêt à y découvrir. Donc on va se laisser ici. Bon, ça fait un épisode assez, ça fait des épisodes assez courts, mais le prochain épisode va être super long parce que je vais faire tout le conseil des 4 en même temps. Je vous le dis franchement, tout le conseil des 4. Ça sera le premier combat, le deuxième combat, le troisième combat, le quatrième, le cinquième. Il y a 5 combats, je crois. Il y a 5 combats parce qu'on défie en dernier un dresseur que vous allez en connaître après. Je vais pas vous spoiler, hein, si vous connaissez pas l'histoire. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau épisode. Et j'espère que cet épisode va vous plaire. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. D'aller voir le site de la chaîne pour savoir plus de nouveautés. Les réseaux sociaux, bien sûr, pour nous suivre. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!